Je me rappelle, mais vraiment comme si c'était hier, cette terrible nuit du 25 au 26 décembre. Le vent a soufflé tellement fort que toute la maisonnée a été réveillée. Une turbine absolument incroyable. Quand je me suis levé, j'ai déjà été abasourdi de voir des arbres ployer avec autant de force. Et puis soudain, j'ai observé que les lumières de la ville étaient visibles. Je voyais les lumières de l'autoroute de l'Ouest. Et j'en ai donc déduit que, eh bien, le parc avait souffert et que quantité d'arbres étaient à terre. Quand je pars dans les jardins, je constate que ce n'est pas une partie du domaine qui est endommagée, c'est tout le parc qui est ravagé. Et j'apprendrai par la suite que c'est en fait la moitié du pays qui a été complètement dévastée par la tempête. Madame, Monsieur, bonsoir. Au moins 27 morts et des dizaines de blessés. Une tempête sans précédent a frappé le nord de la France. Dans l'Île-de-France, les dégâts sont très importants. C'est à Versailles que la tempête semble avoir fait le plus de ravages. La tempête a balayé 18 500 arbres et il faudra dans les semaines qui suivent en abattre 30 000 supplémentaires sur un total de 350 000 que compte le domaine de Versailles. On n'a pas idée, mais 18 500 arbres à terre, et on parle de gros arbres, c'est quelque chose de terrifiant. 3 siècles d'horticulture à Versailles, de détruits à tout jamais. Pour une fois, l'arbre était victime du vent. On parlait du pin de Napoléon, du tulipier de Marie-Antoinette. L'arbre avait un statut, l'arbre était victime de cette tempête. C'est un arbre qui a été planté vers 1783, donc il avait déjà plusieurs années derrière lui. Nous avons trace, nous, des graines en 1772. Donc c'est un arbre qui a mis 228 ans pour atteindre cette dimension et 2 minutes pour disparaître. Le parc est devenu le symbole de la tempête. Et on a vécu un moment de solidarité absolument exceptionnel. On a vu des enfants, des gens voulant donner peu de leurs moyens, parce qu'ils n'en avaient pas beaucoup, mais donner un petit peu. Le gouvernement, les administrations, les entreprises ont toutes répondu présent. Nous avons quand même replanté près de 80 000 arbres depuis la tempête de 99. Moi qui ai eu la chance d'avoir connu un parc vieillissant, d'avoir connu un parc dévasté, eh bien aujourd'hui, le parc dans lequel je suis n'est même plus prometteur. Ça y est, il est redevenu beau. Notre rôle à nous, jardiniers, est de faire que dans ce lieu, on puisse tout simplement rêver. Je pense à ce gamin qui se prénommait Cédric. Il est allongé sur son lit d'hôpital. Nous sommes en début d'année 2000 et il voit à la télévision les dégâts causés par la tempête. Il n'a que 7 ou 8 ans. Il sait qu'il va mourir. Il dit qu'il aimerait qu'on plante un arbre à sa mémoire. C'est terrifiant quand on y pense. Et cet enfant, au printemps 2000, eh bien, nous quitte. Et nous avons planté, non loin d'ici, un cèdre merveilleux en hommage à ce garçon qui se prénommait Cédric. L'occasion de rappeler que derrière un arbre, il n'y a pas seulement un monument végétal, il n'y a pas seulement de la verdure, il peut y avoir parfois un sourire, des larmes, une présence.